les choses est difficile à prévoir. L'OMS a recommandé vendredi deux nouveaux traitements. Ce sont des anticorps qui ont été créés artificiellement. C'est le sotrovimab de GlaxoSmithKline. Sur des noms qui sont... He's like a Holstein and I'm like a moose. Commençons avec les traitements à base d'anticorps monoclonaux. Donc, c'est prometteur, mais il y a une certaine lourdeur. Mais on attend plus de doses. On en a reçu quand même quelques milliers, mais on en veut beaucoup plus. Il a été un des premiers patients à recevoir cet anticorps monoclonal. C'était en 1920. Oui, c'est ça. Yeah. Mais il faut que ce soit diagnostiqué en dedans de 5 jours. Very satisfying. Comment passer de l'état d'urgence d'un virus pandémique à la gestion d'un virus endémique? À ce jour, on ne sait pas à quel point la vaccination freine cette transmission. Every day. Very satisfying. Yeah.